Bonjour, on se retrouve ce dimanche pour la suite de notre aventure sur ce que sort des gens dont on était arrivé au niveau, enfin à la fin d'une quête, donc il fallait qu'on essaie de monter au niveau 25, donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Et voilà, donc maintenant, il faut qu'on essaye, on va prendre la quête là déjà. Niveau 23 recommandé, on est niveau 22 plus qu'ennemi. Lui est une manuscrite, brûle d'une étonnante flamme orange. Paradoxalement, le papier est pratiquement intact, alors qu'on peut sentir la chaleur de la combustion. La note a pu être écrite par un ancien patient ou par un des médecins. En tout cas, quel que soit son auteur, elle lui aurait permis de passer à la postérité. Chambre 502. Étudie la note qui brûle. Entrer dans l'asile en ruine. Ouais, donc il faut aller par là, donc ça va. On va essayer d'éviter un peu de se... Ouais, bah là on peut pas l'éviter. C'est bon. Alors c'est par où qu'il faut aller? Tout droit. Il est déjà mort. Pas bon. Ouais. D'accord. Chercher des indices dans les environs. Ça, ce sera un indice. Voilà. Rejoignez le mur de l'asile. Bon. Est-ce qu'on peut passer par les fenêtres? Ouais. Et voilà. C'est pas possible ça, ils sont partout. Pourtant j'avais esquivé hein. Voilà. Le mur il est là-bas. Chercher des indices dans les environs. Ici. Note incandescente encore. Allez, elle a travé Tazeban. Apparemment, faut passer par là. Ouais, c'est un peu plus calme par là. Essayez de l'esquiver lui, on va longer le mur. Voilà. Pardi, c'est en bas. Non, c'est une lampe.
ça doit être par là derrière le mur. Eh putain, c'est quoi ça? Lenteur, ça me fait chier en plus. Il y en a un autre qui s'amène. Hop. Mais j'étais en dehors de son truc. Voilà. Bon, ça me dit pas ce qu'il faut faire. C'est bien. Il n'y a rien du tout. Dire que c'est en dessous quand même. C'est juste là, donc à mon avis c'est vraiment en dessous. C'est bon, on va essayer de descendre de l'autre côté. Il me semble que c'était par ici que j'avais vu que je pouvais descendre. Voilà, par là. Donc apparemment c'est bien là. Ah, ici, voilà. Ah bah voilà, c'est fini. Rendez-vous sur la côte. On va éviter de prendre le sprint pour le moment. Ouais, je suis pas vraiment sur la côte, mais c'est pas grave quoi. Trouver la tombe de Bonsawin sur la côte. D'accord. Alors. Tous les coups, c'est le gros truc là devant. Il y a encore un gros truc là-bas. Sont là.
Et voilà. Récupérer tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tout ça. Alors ça, hop. Et ça. Voilà. Ensuite, il faut toujours passer niveau 25, je suis toujours que niveau 22. Chose par contre, hein. Voilà, on va aller faire l'élite qu'il y a là. Max. Et voilà. Du coup, on récupère ça. Waouh, ça a l'air d'être bien. Vous gagnez un effet bénéfique qui augmente votre protection de 9200 pendant 6 secondes. Durant tout ce temps, vous êtes immunisé contre le renversement, mais votre hauteur de saut est réduite et votre vitesse de déplacement est ralentie 50%. Bon. On garde ce qu'on a pour le moment. Je voudrais voir ça. Non, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait le... Ah bah si. Mais qui est niveau max. Donc ça sert à rien. Du coup... falloir qu'on cherche à faire ça. On est où là? On est là. Premier truc qu'on a investi, ça. On va venir ici. Et voilà. C'est l'entrée de l'asile. On prend de la route. On va essayer de retourner au camp, voir s'il n'y a pas des quêtes qu'on peut faire au camp. À mon avis, il doit y en avoir, hein. Il en reste une. Niveau 24 recommandé. Allez, une question de la sécurité nationale. C'est pas la première fois que j'affronte le surnaturel. Oh que non. Mon unité est allée au feu. Johannesburg en 87, la Sibérie en 93, Rio en 2008. Le mois dernier, 4 jours à patauger dans les excréments à New York. Pour traquer une bande d'incubes sanguinaires séparés de leur maîtresse. Ça les rend sauvages, vous le saviez? Oui, je... Ils perdent tout contrôle. Avant, on pouvait parler avec les succubes, pour éviter les carnages. Mais les règles ont changé. On ne peut plus négocier avec l'ennemi, c'est fini. Ce... n'est pas ce que nous suggérons, mais... je ne suis pas sûr qu'engager nos ressources limitées dans un... mano à mano général chargé de testostérone... Ce n'est pas de notre ressort. Et vous savez tout aussi bien que moi qui dirige l'opération. Même si le brouillard nous empêche de la contacter, c'est la paradivision. J'ai des cicatrices partout.
Et je ne parle pas de celles qui saignent. Mais si j'ai appris une chose en 40 ans, c'est qu'ils saignent eux aussi. Oh que oui, ils saignent tous. Oui, c'est vrai, monsieur, mais nous aussi, et nous saignons même... beaucoup plus que... Oh hein? Pourquoi est-ce que je continue à perdre mon temps avec ce... Qu'est-ce que vous regardez, vous? Alors, étudiez les cartes tactiques. Halt. Alors, retrouvez l'unité Bravo. Donc, elle est près de la côte. D'accord, nous on est là. Ok, c'est bon. Souvenez-vous ce qu'on vous a appris à Roswell, les gars. À Roswell? Non, mais. Est-ce nous plus haut? Voilà. Special assignment received. Initializing. D'accord. Cela à battre. Et 2-3. Sur 10. Ah, de la pépé là-bas. Le soleil se lève. Allez, il y en aura bien un qui aura réapparu ici. Et voilà, fini. Mais je perds encore de la vie.
Apparemment ça a arrêté, c'est bon. Alors contrôle R. Récupérer. Hop. Et ça m'arrange. Du coup on va faire ça, ça, ça. Hop. Ça. Ça. Hop. Y, voilà. Maintenant faut aller là-bas. Ah bah ils sont là. On va trouver une tête, bravo, voilà. Plutôt non, c'est les morts vivants. Ça veut juste dire qu'il faut les tuer une deuxième fois. Défendez la position. On tienne cette position. Une vague, ouais, comme par hasard. Eh ben, je suis mort. J'ai voulu trop en faire. Alors, on est où? À l'asile. Ah, il va trop vite. C'est bon. Ça, c'est bon. Troisième vague. Qu'est-ce qui s'est passé là? Gros qui est arrivé. Sortir de la zone. Mais putain. Mais encore je suis mort. C'est pas possible ça. Mon bouclier ne veut pas s'activer. Et ça veut pas me redonner de la potion.
Halte ! Un intrus, les gars ! Tout le monde, formez les rangs ! Tout le monde, Halte. Formez les rangs ! Dernière vague avant le gros. On va s'occuper des deux. Avant. Non, il n'y a pas moyen. Hop. Mais non, mais merde, j'étais presque là. Allez, on est reparti. Il va se balader, puis il revient et pour sa place il défend même plus. Possible alors. Et encore, mais...
quoi ça? Dégradation, vous êtes affaibli par mort récente, les dégâts que vous infligez sont réduits, alors que ceux que vous subissez sont augmentés. D'accord. Voilà. Attention, attention. Tout récupéré. Moyen de récupérer. Mais merde. Et je suis encore mort. Bon bah. Elle en a marre, hein, on va arrêter là. Donc, oui, je m'énerve, mais c'est normal, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner là-bas et on va se mettre à l'écart. Et on sort dans la zone. Voilà, on se met ici. On est en dehors de la zone comme ça. Comment tu veux défendre la position alors que c'est pas possible là? Voilà, comme ça après ce sera retrouver l'unité Bravo. On pourra y retourner. Pouvoir. Hop. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? On a 14. Ricochet. On va débloquer les ricochets. Clairement, si je mets ça. Alors que là, les ricochets. Consomme 2 points d'énergie du pistolet, votre maîtrise des angles et des trajectoires vous permet de faire rebondir vos balles d'une cible à l'autre pendant 6 secondes. Votre cible initiale et les autres ennemis subissent 6 points de dégâts physiques supplémentaires. Là c'est bien. Là c'était quoi? Les blocs de balles, pas plus qu'il est affecté par celui-ci. Pouvoir spécial type pistolet. En début, vous obligez vos chambres rousses. C'est rien. Donc ça
concentrer sur E. Voilà. Compétence passive. Ça, ce que je peux le débloquer. J'ai 32 de toute façon. Hop. Ça, c'est quoi? Plus 13 à la valeur critique. On va le débloquer aussi. Il reste 12. Cratère. Ça, c'est débloqué. Ça, c'est pas débloqué. Compétence passive. Vous décelez instinctivement le point faible de votre cible, avec pour conséquence que vos pouvoirs de pistolet lui infligent 734 points de dégâts physiques supplémentaires. Plus la cible est en bonne santé, plus les dégâts qu'elle subit sont élevés. Ça pourrait être intéressant. Et jackpot, dame fortune, vous avez la bonne. Chaque fois que votre chambre, que vos chambres correspondent, vous gagnez un effet bénéfique grâce auquel vos attaques de pistolet infligent 48 points de dégâts physiques supplémentaires pendant 3 secondes. Ouais, on va débloquer celui-là plutôt. Voilà. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Location d'anima. Pourquoi ça change à chaque fois que je... Alors... Voilà, comme ça. Confirmé. Ça, c'est tout. Voilà. Comme ça, on s'arrête là. Je vous dis donc à la prochaine, dans la bonne humeur. Et surtout, n'oubliez pas, restez positifs. Don't lose your